Heroes of Warcraft. Salut à tous, c'est Jav, on se retrouve aujourd'hui pour cette seconde aile de Naxxramas en mode héroïque pour affronter donc Garr, le premier boss de cette seconde aile, en mode héroïque. Salut à tous, c'est Jav, on se retrouve aujourd'hui pour cette seconde aile de Naxxramas dans le cœur du magma pour affronter Garr. Donc Garr en mode héroïque a pour effet, donc comme en mode normal, de coller un point de dégâts à tous les serviteurs présents sur le board. Il le fait systématiquement au début de tour, il le fera tout le temps. Et sur son terrain, il dispose des mêmes créatures qu'en mode normal. Donc c'est 0-5 qui ont râle d'agonie d'infliger 1 point de dégâts pour chaque exemplaire de cette créature morte ce tour-ci. Sauf qu'en mode héroïque, ce n'est pas 1 point de dégâts qu'elle inflige, mais 3. Donc pour affronter Garr, je suis parti sur un deck prêtre. Qu'on va regarder tout de suite. Donc en fait, l'idéal... pourquoi faire ce genre de deck? Parce que l'idéal, en fait, c'est de... On va dire éviter soit que ces créatures meurent, c'est pour ça que j'ai mis des cercles de soins, les silences pour éviter évidemment qu'elles meurent, châtiment sacré, en fait j'ai mis que des petites cartes, vous pouvez voir que voilà ma plus haute c'est les Nova que je n'utiliserai pas pendant la game. Mais l'objectif en fait c'est juste d'éviter qu'elles meurent en même temps, tout simplement pour prendre 3 et que ce soit gérable. Donc du coup vous allez les heal, n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir d'invocateur pour les heal, lui heal ses créatures directement. Les esprits divins pour doubler les points de vie des créatures si jamais vous avez besoin justement de dispatcher pour éviter qu'elles meurent en même temps. C'est gérable avec ça, des petits silences aussi, ressusciter, je m'en suis pas servi, il y a beaucoup de cartes que je me suis pas servi. Voilà, fouille de l'ombre si vous voulez les prendre pour essayer de les suicider en augmentant ses points de vie, tout ça. Ses points d'attaque, pardon. Ce deck passe, c'est vraiment un deck low cost parce qu'il y a vraiment rien de rare. Il y a 4 rares. Je crois qu'il n'y a même pas des pics. Non, il n'y a même pas des pics. C'est que des rares et de la commune. C'est passé avec ça. Je l'ai vaincu du premier coup avec ce deck. Je vous le conseille réellement. C'est un deck qui coûte rien et qui utilise quasiment que les cartes de base du deck prêtre. Voilà, je vous laisse regarder la game. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager et à me dire si ça a marché pour vous surtout. Allez, bon visionnage. Anduin contre Garr. Je serai votre pierre tombale. La lumière nous apportera la victoire. Faites attention à ces choses rocheuses pour vous les bien. We'll be right back.
et le jeter dans le bassin de lave de Ragnarok. Il va adorer.